un mélange parfait, d'accord? Regarde ça. Même pas. Voilà, regardez. Juste une fois, ok? Encore une fois, je peux vous montrer. Pas de triche, d'accord? Vous pouvez regarder toutes les cartes dans l'ordre, d'accord? De toute façon, à chaque fois, plus on mélange, plus les cartes. Maintenant, laissez-moi juste le temps de repérer et de prendre une photo mentale de toutes les cartes. Une fois que c'est fait, je vais séparer le jeu en deux, comme ça, en deux moitiés. Juste ici. 26, 26. Ça sert à rien de calculer, je sais qu'il y a le compte. Je vais te demander, Gérard, de choisir n'importe quel paquet. Celui que tu as envie. Celui-ci. Lequel ? Celui-ci. Sûr ? Mmh. Regarde ce que tu vas faire. Donc, hop, on va le mettre. C'est le tien, on va le mettre ici. Je vais te demander de couper le jeu où tu as envie. Mais vraiment où tu as envie. Vas-y, je te laisse faire. Et où tu as coupé ? Regarde, je prends ta carte et je la mets juste ici, je la recomplète. Il n'y a pas de triche, pas de forçage, d'accord? Et ce qui est assez étonnant, regardez bien, ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'avec tous les mélanges que vous m'avez demandé de faire, on pourrait avoir des coïncidences parfaites. On pourrait tomber sur un 10-10. Vous pouvez voir que toutes les cartes, alors ça peut arriver, ça m'est arrivé de tomber pile poil sur une carte jumelle, par exemple là un 2-2, bon, c'est déjà une première coïncidence. Je vais quand même les passer. Ah, 10-10. 10 sur 10. C'est quand même fort. Imaginez avec tous les mélanges. Bon, on pourra aller beaucoup plus loin, mais si ça arrive plus de 3-4 fois, c'est un miracle. Mais ce qui serait encore beaucoup plus fort, c'est que pile poil à cette carte-là. Hop. Alors, je vais beaucoup plus loin pour montrer quand même, au moins, ce qu'il y ait d'autres coïncidences. Non. Ça m'est arrivé, c'est la deuxième fois que ça m'arrive. Alors, c'est pas moi, hein, c'est juste vous qui m'avez demandé de faire les choses. Voilà, en l'occurrence, j'avais qu'une seule coïncidence. Mais avec toutes les coïncidences qui sont arrivées, Gérard, pour la première fois, est-ce que tu peux retourner, toi, la carte 3 de carreau. Et si c'est le 3 de carreau, c'est un miracle. Ça fonctionne. Bizarre. Alors, on pourrait faire beaucoup plus fort que ça. Parce que c'est vrai que c'est une belle coïncidence, mais on pourrait aller beaucoup plus loin. C'est quoi déjà ton petit nom ? Joanie. Joanie, combien de mélanges tu veux que je fasse ? Regarde. Une, d'accord ? Pas triche. Hop. Deux. Et le troisième. Le plus dur, c'est de couper au milieu. Mais une fois qu'on l'a fait 40 milliards de fois, ça va tout seul, d'accord ? Regarde. Encore une fois, je peux prouver que tout le jeu est mélangé. Là, on va faire plus fort, on va essayer de faire une triple coïncidence. Je vais te demander, Gérard, tiens, prends le jeu, voilà, ici, plus près, de compter 26 cartes. En fait, tu coupes le jeu en deux, voilà, une par une, vas-y. Au moins comme ça, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est toi, tu as séparé le jeu en deux parties, complètement égales. Tu as une partie que tu préfères ? Oui, celle-ci. Celle-ci, toujours, regarde. Je vais te demander, je vais défiler les cartes, et là, tu vas mettre le doigt sur n'importe laquelle des cartes, trois fois. D'accord ? C'est-à-dire, je vais te les défiler comme ceci, tu mets le doigt sur n'importe quelle carte, on la retourne. Je te laisse faire. La première ? Attends. On la retourne. Ensuite, celle-ci ? On la retourne. Celle-ci, on la retourne. D'accord ? Donc, trois cartes. Le 9 de cœur, 6 de cœur, as de cœur. Alors, je te prouve que tu aurais pu choisir n'importe laquelle de toutes ces cartes-là. Ok ? Je ne triche pas. Et ce qui est assez étonnant, c'est que si je prends ton jeu et que je mélange une fois de plus, d'accord ? Juste comme ça. Toutes les cartes sont mélangées. Toutes. Mais ce qui est assez bizarre, c'est que si on prend les cartes qui sont en contact avec tes cartes, et c'est là où ça paraît impossible, mais avec toutes les cartes, c'est-à-dire que le mélange que vous m'avez fait faire, toutes les cartes, tu sois tombé exactement sur les cartes jumelles. C'est trop fort, je dis. Oui, je sais, c'est énervant. C'est bizarre quand même, hein. C'est bizarre. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Alors, on pourrait aller beaucoup plus loin. Parce que, parce que là, c'est que des petites coïncidences. Imaginez un instant, par exemple, Gérard, est-ce que je peux te demander. Je vais mélanger le jeu. Tiens, je vais
crois que on va même le laisser comme ça. Donc je l'ai mélangé. Je vais faire plus fort que ça. Je vais prendre deux personnes. Alors on va le faire qu'avec un petit nombre, parce qu'autrement ça va être embêtant. Mais je vais prendre. Alors on va en prendre une vingtaine, comme ça. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Hop. Des cartes. Tu veux celui-là, là, ou celui-là? Comme tu veux. On s'en fout? Ah, très bien. Tiens, est-ce que tu veux couper le jeu? C'est doué, hein? Ouais. Voilà. Est-ce que tu veux recouper le jeu ou pas? Non, ça va. C'est bon? Est-ce que tu veux prendre les cartes en main? Vas-y, prends-les. Face vers toi. Et les éventailler. C'est bon? C'est clean? C'est bon? Tiens, tu les reposes. Et je vais te demander de me faire une dernière coupe. Au moins, on est sûr que je connais ni la carte dessus, ni la carte dessous, et toi non plus. Vas-y, recomplète, recomplète. Maintenant, tu prends le jeu. Et tu me fais deux tas. Une à droite, une à gauche. Voilà, au moins comme ça, on est clean. Moi, je veux pas toucher. Que ça vient, hein? Ça pique, hein? T'as vu ça? Yeah, super. Impeccable. Donc, tu aurais pu tomber, je veux dire, sur des cartes identiques. Et là, on voit bien que c'est pas le cas. T'imagines, avec tout ce qui aurait pu se passer. Et là, c'est là où c'est assez bizarre, c'est que. Dis-moi quelqu'un à l'assemblée. Ouais, quelqu'un. Zibé. Zibé, tu préfères lui donner celui-là ou celui-là à Zibé? Celui qui est devant. Ouais, voilà. Celui-là? Zibé. Tiens, viens à côté de moi, je vais enlever le mandat. Et Gérard, viens ici. Ensemble, posez les deux paquets ici. Ouais, je sais, ça va être énervant ça. Posez les deux paquets sur la table. Ensemble, vous allez couper et compléter votre paquet. Ensemble. Non. Voilà. Voilà, c'est bon. Et là, vous allez faire ça autant de fois que vous le voulez. Et quand Zibé dira « je m'arrête », vous vous arrêterez simultanément et vous prendrez les deux cartes du dessus et vous les mettrez là, pas dessous, mais comme ça, d'accord? Au moins, on est sûr qu'il n'y a pas de change. Ok? Je vous laisse faire. Vous coupez simultanément. Une fois. Voilà. Encore. Deux fois. Et voilà. Vous vous arrêtez là? On remet ça. Ouais. C'est bon? C'est lui le chef. C'est clean, hein? Donc regardez, je prends juste vos deux cartes et je les place ici. C'est bon, merci. Et maintenant. C'est pas fini. Ah, Zibé, reste avec moi. Je vais te demander de prendre les paquets restants comme ça et me faire une ligne. Alors, une par une. Alors, tu peux commencer ou soit d'en bas ou soit d'en haut. D'en haut. Voilà, donc voilà, tu me fais une ligne comme ça. C'est clean. Gérard, tu vas faire la même chose. Tu peux commencer ou soit d'en bas ou soit d'en haut. Et tu peux partir ou soit d'ici ou soit de là. Tu fais ce que tu veux. Toi, tu pars à l'envers. Ouais, y a pas de souci. Donc, c'est-à-dire, on a créé une paire de cartes, une deuxième, une troisième, une quatrième. En gros, on en a créé 9. Alors, ce qui serait formidable, c'est d'avoir exactement les mêmes paires. Non, ça, c'est impossible. Par contre, ce qui serait fou quand même, c'est que moi, grâce à vos deux cartes que je connais pas, que je ressente quelque chose. Gérard, je vais défiler comme ça les cartes et tu vas me dire stop quand tu as envie. Stop. Avant que j'arrive à la fin. Stop, je te dis. Là? Là? Ici? Oui. Tu peux retourner la carte? Une seule? Non, tout, la paire. Est-ce que c'est une paire ou pas? Non. Non? Mais tu peux la montrer. Hein. Non, ça marche pas. C'est pas grave. On recommence. Non, stop. Stop ici? Oui. Juste là, attends, regarde. Je mets ces cartes là, d'accord? T'imagines, tu aurais pu me dire stop là? Ça ne marchait pas. Stop là, non plus. Toutes ces cartes étaient complètement différentes. Vous avez choisi deux cartes au hasard. Vous êtes arrêté exactement sur deux cartes. Ce qui serait miraculeux, c'est qu'on ait exactement les deux trois noirs avec les deux trois rouges et un carré de quatre cartes. Oui, je sais, c'est bizarre, mais on pourrait aller beaucoup plus loin dans ça. Quand je dis beaucoup plus loin, c'est on pourrait vraiment aller beaucoup plus loin. Imaginez un seul instant, avec toutes ces cartes-là, que Gérard, tu me dises un nombre, alors on va pas prendre, dis-moi plutôt un petit nombre, mais au moins c'est, ça va être... Tu peux dire beaucoup plus, hein, tu peux même monter jusqu'à 40, mais c'est pour éviter d'avoir tout le jeu. 9. Tu veux que 9? Que 9, oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, d'accord? Même pas on la regarde, on la laisse ici, ok? Maintenant, je vais te demander de couper le jeu où tu as envie, mais on va essayer de faire des quarts, d'accord? On va essayer de faire des quarts. Donc tu coupes un petit quart, voilà, et on va comme ça...
retourner. Tu coupes encore un autre quart. Tu vas y arriver à en faire 4, hein, c'est pas grave. Et lui, on va le mettre. Ah, ici. On va le mettre comme ça. Un autre quart. Ouais, c'est pas mal quand même. C'est pas grave. On va le mettre comme ça et tu as compris que le dernier, il était comme ça. Donc en gros, on a un bordel. D'accord ? Et ce qui est fou, c'est que maintenant, on va séparer tout ça. Pile poil en deux, si j'arrive. Parce que ça, ça va être dur de trouver la moitié avec des cartes à l'envers, des cartes à l'endroit. Ça va être très très dur. Il faut que je le cherche un petit peu. T'as plus de moitié là, j'ai rien de vu. Mais oui, je sais, c'est pour ça qu'il faut que je cherche là. Tu as un joker ? Tac tac, je vais la chercher, hein, je suis désolé. J'ai pas trop le choix de la chercher. Oh, ça. Et je vais mélanger. Ouais, c'est vrai que c'était pas une moitié-moitié. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Je t'ai demandé de couper où tu voulais, de toute manière. C'est pas la moitié, ça. T'es sûr que tu m'as mis des cartes ? Ah, ben. Ouais. Bah, allez, on va couper moitié-moitié ici. Eh non. Bon, c'est pas grave, on continue. Contre la physique ? Ouais, c'est pas grave. On va continuer, on va faire un mélange. Et là, je vais essayer de les mélanger une par une. Alors, je sais, c'est assez dur de mélanger la, les cartes vraiment une par une, mais on va essayer. Comme ça, d'accord ? Donc, j'ai pas trop la moitié-moitié, mais en gros, ça nous donne. Ben là, on voit bien que le jeu est mélangé vraiment aléatoirement avec, avec ta coupe à toi. Je vais recompléter ça, d'accord ? Regardez bien. Donc, du coup, j'ai vraiment des dos, des faces là, des dos. Enfin, vraiment le vrai bordel. On va réessayer de couper. Ça, ça va être dur, par contre, pile poil. Juste ici, et on va imaginer la même chose. Yes. Et je vais te demander, Gérard, donc là, on peut avoir des dos, on peut avoir des faces, des dos, enfin, c'est le bordel total. Regarde bien. Je vais te demander de couper le jeu. T'es d'accord avec moi que depuis le départ, on va le recomplète. Depuis le départ, on a mélangé les cartes autant de fois que vous le désirez. Vous avez pu voir qu'il n'y a aucun ordre dans le jeu total. Même pas toi ni moi. On connaît la carte. Là où c'est assez intéressant, c'est quand on fait juste ça. Oui, là je sais, toutes les cartes sont mises toutes dans l'ordre, sauf une seule et unique carte. Et ce qui serait fou, c'est que la carte mentalement que tu as choisie soit exactement la même, et c'est un miracle. Alors je sais, beaucoup de gens pensent que tout ceci se fait avec des jeux préparés, mais pas du tout, car depuis le départ, et comme je vous l'ai montré, le jeu est totalement mélangé, vous pouvez l'examiner de A jusqu'à Z, il n'y a rien à voir. Bizarre, hein? Bravo. Bizarre, bizarre. Bon, voilà, c'est juste plus pour la maison, pour dire qu'on est capable de tricher. Mais on peut faire plus fort. Est-ce qu'il y a... Si, si, si. C'est... Ça se fait pas avec une carte, ça se fait juste en fait avec que quelques cartes. Non, je rigole.